Salut à tous et à toutes, donc bienvenue de retour, 14h28, dimanche 7 novembre 2021. Oh, c'est fort ça. Et c'est parti, donc cuire de la viande. Et on va voir Alvin après la nuit. Viande 103, ah oh, bien, cool, il travaille bien là. Super. Allez, on va en cuire une vingtaine. 28, allez. Ah, cool. Franchement, cool. Ah, il me fallait 200 pièces pour les ours, là. Pour montrer à Alvin qu'on est meilleur chasseur d'ours que lui. Alors, la viande à cuire. Oh, je ferais bien un feu, puis des bons, moi, tiens. Pour remonter le moral de... Ouais. Alors, il est là, le schmilblick. Le feu. Alors, il faut que je l'allume. Fabrication, allume le feu, déjà. Normalement, je peux l'allumer, là. Ah, bah, il l'a allumé, déjà. D'accord, ok. Allez, le R. Allez, les 28 viandes. C'est parti. Bon, bah, je vais commencer à faire cuire de la viande pour mes villageois. C'est la viande crue, apparemment. À part peut-être plus vite. Si possible. Ou ça descend le moral des villageois, peut-être aussi. Ah ouais. S'ils ont de la viande cuite, ils vont être plus contents. J'ai pas vu ça comme ça. Une viande, ça fait 3 secondes quand même. Hein, pour faire cuire une viande. Ouais, c'est ça, 3 secondes. Donc là, on est presque à 1 minute 30 quand même pour 28 viandes. On va passer à tous les jours. Hein. Bon, ça fait de l'expérience toujours, ça c'est clair. Il y a le héros du roi qui est toujours là. J'ai mon piège. Ah, ils mettent le piège à lapin là-haut, d'accord, dans la barre de direction là-haut. Ok. Ouais, vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez pas là? Bon, il n'y a rien de caché avec ma vidéo. Donc ça va. C'est du tout bon. 27 et 28. Allez, hop. L'été, il faudra planter aussi des graines. Oh, en automne. Allez, on va lui remettre ça. Et je ferai bien un feu pour. Ouais, et puis des chaises. Hein. Ouais, on va. Ah ouais, mais ça coûte de l'argent. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est l'entrepôt à nourriture. C'est pas pareil. Peut-être que je répare des bâtiments aussi, certainement. Alors, la viande, je vais directement dans la nourriture. Viande grillée, 28. Allez, tiens, je te donne tout ça. Voilà. Bon, bah, c'est bien, ça. Ils vont être plus contents. Donc, la viande, c'est fait. Il faut que j'aille voir Alvin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais voir mes cochons. Ils sont toujours en porciné, certainement. La nourriture pour animaux, est-ce qu'il y en a? Bon, ça m'a l'air d'aller. 43%, super. Pour les poules. Et pour les cochons. 73%. Ils sont où les cochons? Gustavo. Ils sont où mes porcelets? Ah, il y en a un là. Bon, mais ils n'ont pas grandi. Hein. Ça va, Tite? Ouais. C'est dommage qu'on ne peut pas les nommer. Non. Peut-être heureusement même qu'on peut pas les nommer. Ma belle-mère, mon beau-père. Oh, alors, bon, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Aller chercher un peu d'argile, tiens. Hein, en attendant la nuit. Allez, on y va. Re-Bob, ça y est, t'as bien mangé? Impeccable. Je me suis régalé. Donc le temps de prendre mon petit café, faire deux petites vidéos avec mon chat et mon chien que j'ai mis sur Facebook et YouTube. Voilà, donc petite demi-heure de retard, mais bon, c'est rien du tout. Donc là, je vais aller chercher de l'argile, Bob, pour essayer de trouver des trésors dedans. Hein. Je crois que je suis à 30% de chance de trouver un trésor. J'ai développé ces compétences-là, et pour faire de l'enduit pour améliorer les maisons des villageois. Hein.
Allez, c'est parti. On va voir si on trouve quelque chose d'intéressant. Non, là j'ai que 8 argiles. C'est fait, ça y est, bien mangé. Donc toujours pas de trésor. Donc je prends 8 par 8 argiles, hein. Donc c'est déjà pas mal parce que j'ai mes pioches en fer. Là j'en ai que 6, là d'accord, ok, bon j'ai rien dit. Alors c'est aléatoire. Que tu as une pioche en bois ou en fer, t'en ramasses pas plus. Bon, toujours pas de trésor, hein. Comment ça se fait ça? Non, toujours pas. Faut pas que je sois trop lourd parce que c'est assez lourd l'argile. Hein. Là j'en ai 28 déjà. Non, rien du tout. Comment ça se fait ça? Oh, ça c'est bien ça. Une pelle en bronze. 4 argiles. Bien sûr que je prends. Pas mal. Donc les trésors, je voudrais les avoir carrément dedans là. Non. Ah. Tu peux avec extraction aussi. Ouais, exactement, ouais, ouais, tout à fait. Mais bah, ils trouvent pas de trésors aussi, eux. Nous, on trouve des... Oh là, attends, je suis lourd, là. Bon, une dernière, là. Jo, tu te calmes, là, s'il te plaît. Jo. Il est taré, ce chien. Calme ta joie, Jo. En train d'écraser mes pieds en tournoyant autour de sa queue. Oh, embruti. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est ça, ils trouvent pas de trésor. Il n'y a que nous qui pouvons trouver un trésor, mais là, j'ai rien eu. Là, c'est une des premières fois où je fais autant d'argile sans rien trouver, dis donc. Bizarre. Bon, j'ai soif et je vais avoir faim, donc je peux aller chercher un peu de viande, m'en faire griller 10. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on va faire un petit peu d'enduit. Hein. Ah ouais, c'est mélangé à la paille. Je crois que oui, je leur fais ramasser de la paille. Ouais, donc c'est bien. On va boire un petit coup. Voilà. Au passage, on va aller chercher la paille. Et l'enduit, on le fait dans la grange. Hein. Voilà. Donc notre maison, elle est en enduit. Donc c'est cool. On va aller chercher la paille. Alors, il va commencer à faire nuit, on pourra aller dormir, les ouvriers ne travaillent plus. L'enduit, j'en ai que 2, par contre il me faut de la paille, c'est pas lourd la paille de toute façon. J'en ai 84, 3 kg 36. Et on va faire l'enduit avant qu'il fasse bien nuit. Après on va se coucher et on va voir Halloween. Et on va aller chasser l'ours. Ça va ? Bon programme. Alors l'enduit, ça se fait dans l'atelier de la grange. De l'enduit, voilà. Donc le R. Et 5 seulement ? C'est multiplié, ça doit faire 50. C'est par 10, hein. Donc 10 fois 5, 50 enduits. Ça serait pas mal, ouais. C'est pas mal. Pour un tour d'argile... 50, je pense que tu fais une petite maison quand même, on a en enduit, je pense. Comme ça, je m'allège en même temps, parce que c'est lourd l'argile. Ah non, je m'allège pas autant que ça, moi. Comment ça se fait, ça? Ah, ça compense avec l'enduit, bah oui, puisque je fais de l'enduit, donc ça compense, ouais. T'as pas encore fait d'enduit, toi? D'accord, ok. Ah oh bah, tellement comme truc à faire. Bon, je vais mettre l'enduit dans l'entrepôt. Je vais me faire à manger tout de suite, griller de la viande pour demain. Comme ça, je suis opérationnel pour partir directement. Donc l'enduit, j'en ai 50. Hein. Allez, hop. Qu'est-ce que je peux laisser là encore? La paille. Hein. La paille, j'en ai encore 40. Pelle en bon,
11 pierres, pièces. J'ai 1600 francs à peu près. L'or rondin, je vais le laisser là. Voilà. Ah, j'ai une pelle en plus. Ah bah oui, celle que j'ai trouvée tout à l'heure, évidemment. C'est bon. Apparemment, c'est pas mal. Les bâtons, 139. Je vais peut-être les laisser là. Hein. Bol en bois. J'ai un bol en bois, je pourrais faire un... Ah, c'est peut-être le bouillon qu'elle m'a donné ma femme tout à l'heure. Ça doit être ça. Donc le bol, tu le gardes alors. Tu bois ce qu'il y a dedans et le bol il reste, d'accord. Ça c'est bon, on va chercher de la viande à faire cuire, j'en prends que 10. Hein. Ça va se prendre des forces. Viande grillée, viande. Voilà. Je vais en prendre 10. 12, allez. On va en prendre 12. La porte, à chaque fois je la cherche la porte. Voilà. Impeccable. Outils et armes, d'accord, ok. Ah d'accord, les bols s'abîment, d'accord, ok, ça marche. Fabrication, feu de camp, bon bah. Voilà, d'accord. Allez, on fait les 12 viandes. On va essayer de finir la quête d'Alvin. Si j'arrive à finir la quête d'Alvin, ça sera bon pour Medieval Dynasty aujourd'hui. Je vais peut-être aller faire après une sieste avant de reprendre le Médoc et Arc. Assiette et fiole, enfin tout ce qui est ustensile, donc Baobab, d'accord. D'accord, donc on s'en sert, mais voilà, on prend ce qu'il y a dedans et l'ustensile, il reste, mais il s'abîme, quoi, d'accord. Ok. Bon, ça c'est bon à savoir. C'est chaud, là. J'ai mis le chauffage un peu, là. C'est chaud. 19,8. Ok. Bon, bah ça c'est bon, j'ai de la viande pour... Je vais peut-être manger maintenant, hein, parce que là, on passe pas de... Attends, on passe pas de saison quand même, hein, sinon ça serait ballot que je mange. Hein. Ouais, d'accord, ok, je peux manger donc. Viande de cuite, viande cuite, viande grillée, voilà. Viande grillée. Oh bah je suis bien là. Là on est bien, hein. Santé, tout, on a intérêt contre l'ours. Hein. Bon, est-ce que je peux dormir? Je peux dormir. C'est bon, impeccable. Et c'est parti. Bon, donc normalement je suis prêt pour y aller. Gigo, je vais voir Alvin. C'est parti. Oui, c'est vrai, il est derrière. J'ai des marguerites aussi au cas où pour la santé. Je crois qu'on en cueille encore à cette saison. Hein. Oui. Je vais prendre un petit peu de marguerite. Si l'ours il me pète de trop. Alors, la chicorée, je m'en sers pas trop de la chicorée. En plante, c'est surtout les marguerites hein, que je mange. Et de temps en temps aussi le millepertuis, je crois. Quand je mangeais de la viande crue, j'avais pas le temps de la faire cuire pour enlever l'empoisonnement. Sinon, le reste, les trucs noirs, là. Le chicorée, je vois à quoi ça sert, un chicorée, je sais plus. Après, tout dépend de la stratégie de chacun. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rase, hein. Qu'est-ce qu'il fait? T'as un problème psychologique. Alors, ok, non, changement d'attitude. Alors, ça, on connaît l'histoire. Hein, donc, voilà. Vous avez trouvé des traces d'ours dans la... Ah, ça y est, j'ai payé. Hein, j'ai payé. Mais vous pouvez essayer au sud-est. Hein, ils aiment s'installer dans les grottes et près des bassins. D'accord. Ok. Allez. Donc, chasse ours. Oh là, ça diminue les minutes qui diminuent. J'ai 8 heures. J'ai 8 heures, donc j'y vais direct. Voyons voir, il faut que j'aille plein sud, un petit peu ouest. Ouais, sud-ouest, allez.